Bien, nous allons revenir sur la présence des militaires. Le 28 septembre, vous avez quand même remarqué la présence des militaires autour de l'hôpital, n'est-ce pas? C'était des bérets rouges. Ça dit, comme je vous dis et je vous le répète, non, je madame, ne me suis madame, pas beaucoup vocalisé. On va insister sur ça. Oui, je sais, c'est tout à fait normal. Laissez-la répondre. Mais je ne peux pas. Parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça ce jour. Bon, je sais qu'il y en a. Mais j'ai même vu ça dans l'esprit de la sécurisation. Ceux qui étaient en tout cas en dehors de l'hôpital. Parce que quand il y a des événements, c'est une affluence de la population vers les urgences, vers la morgue. Moi, ce jour-là, je ne savais même pas exactement de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'était passé. C'est plus tard, justement, dans les commentaires que nous avons compris. Est-ce que vous avez pu savoir si c'était des bérets rouges ou pas? Non. Vous connaissez Dr Ben Youssouf Keïta? Oui, je le connais. Il était là-bas ce jour. Il est médecin. Vous l'avez vu là-bas ce jour? Lui dit qu'il m'a vu parce qu'il était blessé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. On en parle souvent. Alors, il nous a dit ici que Colonel Kabi n'a eu aucune empathie à leur égard ce jour-là. Lui, il est médecin. Docteur Kabi est un camarade à lui. Mais ce jour-là, contrairement aux autres médecins qui étaient là, celui-ci n'a eu aucune empathie à leur égard. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, parce que vraiment, ça, nous avons tous été informés de cette situation que moi, je n'ai pas vue directement, mais qui ne peut pas être appréciée parce que nous, les médecins, nous sommes tous engagés par le serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie. Oui. Si cela est arrivé, c'est regrettable. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur le Procureur. Nous allons insister sur certains points pour plusieurs raisons. Vous étiez la directrice de l'hôpital, vous êtes médecin et vous aviez assuré le rôle de coordination de tout ce qui s'est passé. Donc, on va revenir sur beaucoup de choses parce que vous êtes la personnalité la mieux indiquée pour nous donner des explications plausibles. Et pendant combien de temps vous avez géré ces malades-là en temps plein? Bon, quand je prends les statistiques de la gestion de ces cas que j'ai pris à tout hasard, la dernière actualisation est du 11 février 2010. Le 11 février 2010. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau cas, la liste est actualisée. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, que certains, les hospitalisés, sont restés longtemps à l'hôpital. Donc, parce on que peut avec... considérer du 28 septembre 2009, par exemple, 11 février. Ça, c'est pas plus de 3 mois. D'accord. Plus de 3 mois parce que un cas de traumatisme, de fracture reste très longtemps à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y avait des cas graves, hein? Ah, très graves. Ça, il faut louer vraiment la technicité et le professionnalisme de nos professionnels de santé. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'implants chirurgicaux. On parle d'implants chirurgicaux, ça, ce sont les grandes interventions. D'accord. Ça, il y a eu des cas très graves. Il y a tous les diagnostics sont là. La chance que nous avons, du premier blessé au dernier, vous aviez ici non seulement toute la situation, mais vous avez le diagnostic et le traitement. Donc, les cas de traumatisme, de trucs, je vous ai dit, lésion par arme à feu, 89. Lésion par arme blanche, 14. Bien. Et durant toute cette période, est-ce que l'accès à l'hôpital était facile pour les parents qui venaient rendre visite à leurs parents? Non, on n'a pas empêché. Bon, vous savez que c'était un de nos grands problèmes, heureusement. Oui. Est-ce que l'accès était facile? Oui, les malades, les familles venaient. Les familles venaient voir les hospitalisés. Ces familles n'avaient aucune difficulté pour accéder? Non, pour accéder aux malades. Bon,
aujourd'hui que ce problème est résolu, parce que c'est cette multiplicité de mobilisation des familles autour de l'hôpital qui salit les hôpitaux, qui dégrade les hôpitaux aujourd'hui avec la nouvelle vision, ce problème est résolu. Mais les familles sont venaient au chevet des malades. Sans problème, parce qu'ils étaient dans, beaucoup plus au niveau du R+5, là où il y a les services chirurgicaux. Bien, nous allons revenir sur la présence des militaires. Le 28 septembre, vous avez quand même remarqué la présence des militaires autour de l'hôpital, n'est-ce pas? C'était des bérets rouges. Ça dit, comme je vous dis et je vous le répète, je ne me suis pas beaucoup focalisé. On va insister sur ça. Oui, je sais, c'est tout à fait normal. Laissez-la répondre. Mais je ne peux. Parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça ce jour. Bon, je sais qu'il y en a. Mais j'ai même vu ça dans l'esprit de la sécurisation. Ceux qui étaient en tout cas en dehors de l'hôpital. Parce que quand il y a des événements, c'est une affluence de la population vers les urgences, vers la morgue. Moi, ce jour-là, je ne savais même pas exactement de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'était passé. C'est plus tard, justement, dans les commentaires que nous avons compris. Est-ce que vous avez pu savoir si c'était des bérets rouges ou pas? Non. Je ne peux pas répondre à cette question. Nous aimerions comprendre, madame, en temps normal, est-ce que ces hommes en tenue viennent autour de l'hôpital? Oui, en temps normal, on fait venir toujours soit la... C'est vous qui faites venir en temps normal? Non, je n'ai jamais demandé. Ouais. Mais dès qu'il y a des mouvements, on voit les services de police qui viennent garer les fourgonnettes, les trucs pour sécuriser l'hôpital. Mais je n'ai jamais demandé. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur la raison de leur présence ce jour? Pourquoi ce jour-là? Ce jour? Oui. Non. Parce que vos collaborateurs vous ont dit qu'effectivement, ils ont failli être empêchés par ces militaires-là. Ils vous ont dit ça. Vous avez confiance en ceci quand même, n'est-ce pas? Oui. Et ils sont venus vous dire qu'ils ont failli être empêchés par ces militaires-là, oui ou non? Ça veut dire que vous ne pouvez pas nier la présence de ces militaires dans l'enceinte même de l'hôpital. On est d'accord? Non, je n'ai pas nié. Je n'ai pas nié. Donc, on peut... Ils ont dit effectivement que les militaires ont eu accès à l'enceinte de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Ils ont eu accès à l'enceinte de la pharmacie de l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Merci bien. Ça, je ne peux pas nier. Au niveau de la morgue, vous dites qu'il y avait 34 corps. C'est ce que les assistants du médecin légiste m'ont dit. Il y a eu 58 corps. Et ses assistants vous ont dit que des corps avaient été déposés nuitamment. Oui, ça, ils ont dit aussi. Et ces corps étaient dans des conditions difficiles, oui, n'est-ce pas? Un massacre qui a eu lieu. Et vous ont dit ça? Oui. Et vous ont dit qui a déposé ces corps? Bon, ils ont dit que c'est venu dans des camions. Hein. Dans des camions? Oui. Des camions militaires? Je crois, oui, des camions militaires. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Et ils ne vous ont pas dit par qui? Non, ils ne m'ont pas donné tout ça. Ils ont dit seulement, nous avons reçu ça dans la nuit. C'est arrivé, les militaires ont envoyé, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les détails par qui? Mais c'était sur instruction, parce que le médecin légiste coordonne les deux morts. Donc, souvent, quand il y a n'importe quel... événement d'une grande intensité, il y a un lot qui est déposé à Ignace Dine et il envoie toujours un deuxième lot pour l'hôpital, la morgue de l'hôpital Dogré. Parce que ça ne peut pas tenir dans une seule morgue. Vous connaissez Dr Ben Youssouf Keïta? Oui, je le connais. Il était là-bas ce jour? Il est médecin. Vous l'avez vu là-bas ce jour? Et lui dit qu'il m'a vu parce qu'il était blessé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. On en parle souvent. Alors, il nous a dit ici que colonel Kabi n'a eu aucune empathie à leur égard ces jours-là. Lui, les médecins, docteur Kabi est un camarade à lui. Mais ces jours-là, contrairement aux autres médecins qui étaient là, celui-ci n'a eu aucune empathie à leur égard. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Bon, parce que vraiment, ça, nous avons tous été informés de cette situation que moi, je n'ai pas vue directement, mais qui ne peut pas être appréciée parce que nous, les médecins, nous sommes tous engagés par le serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie. Oui. Si cela est arrivé, c'est regrettable. Mais moi, personnellement, ça ne s'est pas passé à ma place. Quel a été le comportement du docteur Diaby ces jours-là à l'égard des malades? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsqu'il est arrivé? Lorsque le ministre est arrivé dans la salle des urgences, là où j'étais, oui, quelle a été son attitude? Je n'étais pas seul là-dedans. Hein? Quelle a été son attitude, ses agissements devant vous? Bon, devant moi, il n'a rien fait de particulier. Nous avons échangé et nous lui avons demandé de débloquer un stock en produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des nombreux cas que nous avons reçus. Je vous assure, moi, il m'a laissé là-bas, il est reparti. Il nous a été dit ici que les hommes qui étaient avec lui avaient donné des coups de pied aux malades. Bon, c'est possible, nous avons tout ça. Non, madame, écoutez. Ah, vous devez finir. Vous êtes témoin. Mon collègue l'a dit. Je suis témoin, mais non, je ne peux pas mentir. Non, permettez, madame. Ici. Voilà. Permettez. Voilà. Mon collègue l'a dit, le président l'a rappelé avant. Vous devez accepter de parler. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a fait venir. Parce qu'on sait que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous dire la vérité. Ne couvrez personne. Vous êtes devant le peuple. Parce que ce sont des personnes de confiance qui sont venues dire ici que ces jours-là, Dr Diaby n'a pas eu d'empathie à l'égard des malades et que les hommes qui étaient avec lui avaient agressé les patients qui étaient là. Ça a été dit ici par des hommes les plus avertis. Donc nous, on vous appelle juste pour vous confirmer ces déclarations-là. Non, je ne peux pas mentir aussi, monsieur. Est-ce que oui ou non, ces moi, gardes... Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que ces gardes avaient donné des coups de pied? Moi, je n'ai pas vu. Non. Non, attendez, monsieur le procureur, on est venu pour témoigner, mais pas pour mentir. Je suis d'accord. Je ne peux pas mentir aussi. D'accord. Ce que j'ai vu, ça, je vous le dirai et je vous le confirmerai. Monsieur Diaby, même... Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Et on ne vous a pas rapporté? Non, ça, j'ai entendu parler. Vos collaborateurs, est-ce que vos collaborateurs vous l'ont dit? Non. Cette information, on l'a appris et à Ignace Dine et à Donka. De tels actes ont été perpétrés et nous l'avons beaucoup regretté. Bien. Mais là où je suis, je n'ai peur que de Dieu. Je ne peux pas mentir. Il n'y a aucun lien entre M. Diaby et moi. Quand un ministre arrive, vous savez très bien que les cadres qu'on trouve en place sont toujours menacés. Donc moi, j'ai été même victime de ça. Donc je ne peux pas, je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais moi, je n'ai pas vu. Et ces informations, vous les avez apprises à travers qui? Bon, ça, ces informations. En tout cas, les événements du 28 septembre, il y a eu beaucoup de commentaires. Moi, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on m'a dit que j'ai fait disparaître tous les documents. Mais on les a retrouvés à Donka. Donc, il y a eu tellement d'allégations, de coups de... Je vous parle de diffamation. Moi, j'ai reçu Mme la procureure, Mme Fatou Bensouda. Elle est venue à Donka. On lui a raconté toutes sortes de choses sur moi, sur ma personne. C'est une femme comme moi. Mais quand elle est sortie de... Elle est venue service par service, elle est passée. On était ensemble. Quand elle est sortie de la morgue, parce qu'on a dit, j'ai fait ça, j'ai fait... Elle a dit, mais madame la détective, vous n'êtes même pas arrivée à la morgue ce jour-là. Moi, je ne m'étais même pas rappelé de ça. Ce n'était même pas dans ma tête. D'accord. Je vous ai dit que devant Dieu et les hommes, ma mission ce jour, soigner, soulager les victimes et sauver des vies humaines. En tout cas, je ne crois pas si une victime vous dira que j'ai refusé qu'on la soigne. Non, une victime l'a dit ici. Voilà, non, même s'ils ont dit ça, mais moi je ne l'ai pas fait. Non, je ne veux pas que vous parliez de ça. Une victime, permettez, une victime est venue dire ici que j'ai refusé de la soigner. C'est possible. Ça a été dit. Mais moi je ne l'ai jamais fait. On ne peut pas aller sur ce terrain, madame. Voilà. Hein? Bien. Et au niveau toujours de la morgue, il nous a été dit que des corps avaient été enlevés nuitamment. Au niveau de la morgue de Donka. Est-ce que vous avez appris cela? L'équipe de la morgue ne m'a pas informé. Vous pourrez leur demander. Vous n'avez pas appris? Non, ils ne m'ont... Non.
Dans les commentaires, tout le monde a appris tout du 28 septembre. Mais moi, l'équipe de la mort ne m'a jamais informé. Et je crois qu'ils sont témoins aussi. Ils vous diront que moi, en tout cas, ils ne m'ont pas informé de ça. Et les blessés, c'était par balle? Vous confirmez qu'il y a eu des blessures par balle? Non. Laissez le papier. D'accord. Attendez qu'il finisse de poser la question. Est-ce que vous confirmez que parmi les blessés, il y en avait par balle? Oui. D'accord. Il y en avait aussi par des armes blanches, c'est-à-dire des couteaux? Oui. D'accord. Et également des armes contondantes. Vous avez remarqué ça aussi parmi les blessés qui étaient oui, là? Oui, moi je me réfère aux statistiques des spécialistes en la matière. Ça a été dit qu'il y a eu par arme à feu, par arme blanche, par contusion, et les brûlures et autres causes. Est-ce que vous pouvez rappeler ces statistiques? Alors, les dernières statistiques qui datent d'actualisation février 2010, lésions par arme à feu 89, par arme blanche 14, contusion 389, violence sexuelle 4, brûlure 3, autres 319, 815. C'est fait par le service des urgences médico-chirurgicales, l'hôpital national. Donc. D'accord. Et vous étiez présente à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de l'exposition des corps? Bon, d'abord, ce jour, parce que c'était le vendredi 2 octobre, j'aime toujours aller jusqu'au bout de mon travail. Je suis venu voir à la morgue si tout était prêt et si les gens étaient prêts à partir. Mais quand je suis arrivé au départ des corps, les gens m'ont dit, Adja, faites attention, il y a du mouvement à la morgue, à l'esplanade. Si vous allez là-bas, vous allez être confronté à beaucoup d'agitation. Donc moi, j'ai observé, je suis resté jusqu'au départ des corps, puisque c'est en face, le départ des corps à l'esplanade, et après je suis retourné à mon bureau. Vous n'avez pas été là-bas donc? Non. J'ai suivi à partir de... Et c'est en ce moment que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'agitation sur l'esplanade. Les gens avaient commencé même à fuir. Et on vous a dit que combien de corps avaient été exposés là-bas? C'est le médecin légiste qui pourra nous préciser ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la responsable du CICR? Directement, non. Durant tous ces mouvements, vous ne l'avez pas rencontré? Non. Peut-être que leur organisation nous a accompagnés dans le processus, le transfert des blessés, apporter des dotations en produits pharmaceutiques du genre. Mais la dame, non, je ne l'ai pas rencontrée. D'accord. Pour le moment, merci, M. le Président.